Je voulais un peu profiter, comme tout le monde le fait sur les radios, comme ça, remonter les bretelles un peu à Macron. On va faire un petit passage. On fait un petit stop peut-être pour. Non, il n'y a pas besoin. Revenir un peu au thème de Macron pour. Bon, j'en avais parlé en n'étant pas très gentil, mais les gens pensaient que c'était vraiment l'un des meilleurs présidents qu'on avait jamais eu, donc j'avais remis ma copie pour plus tard, puis après j'ai plus du tout eu le temps de le faire, surtout qu'il s'est fait remonter les bretelles pas mal avec le Covid et tout ça, et j'avais pas trop envie d'associer ma parole à ce qui se passait parce qu'il y avait beaucoup de trucs faux qui circulaient, et on était classés soit d'un côté qu'à l'autre. Ça m'a énervé cette période Covid parce que c'est très difficile de se positionner, hein, parce que quand on connaît bien le sujet des vaccins, des trucs comme ça, et puis des épidémies, et qu'on fond la caisse, on est un peu emmerdé par le tour que prenaient les choses, et qu'on connaît bien Poutine à fond la caisse depuis 20 ans, parce qu'on sait qui il est réellement, et qu'on voit que les anti-vaccins se retrouvaient du côté des pro-Poutine. Je me suis dit, mais quelle catastrophe, on va vers un chaos mental, mais énorme, quoi. Comme si le problème était que l'OTAN. Enfin bref, donc ça j'en ai déjà parlé, on va pas revenir. Alors Macron, donc qu'on regarde le thème de Macron. On voit qu'il a, c'est un Sagittaire, et avec Mercure rétrograde conjoint au Soleil en Sagittaire. Je l'ai déjà dit, tout ça c'est sur un degré critique. Donc c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de ses idées, hein. On dit qu'il est un président jupitérien. Jupiter, c'est le signe, c'est la planète qui domine le Sagittaire, et il a Cérès, Neptune, Vénus, Junon, Ève, la facilité, et Soleil et Mercure dedans. Donc c'est quelqu'un qui est un hyper Sagittaire, et ascendant Capricorne avec l'ascendant sur le degré. Bon, il est presque au degré. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit le degré critique du Capricorne, 28-46. On y est presque. Donc il va faire passer ses grands idéaux réunificateurs par une poigne de fer, quoi. C'est un peu ce qui se voyait déjà en thème. Sachant que cette poigne de fer, ben, elle ne fonctionne pas parce que Saturne est rétrograde. Alors, ceci dit, elle va marquer l'humanité d'une certaine manière parce que Saturne est rétrograde, mais il est conjoint à Régulus au tout début de la Vierge, ce qui indique souvent des gens qui vont très loin dans du point de vue collectif, quoi. Donc, ben, forcément, puisqu'il est devenu président de la République, on aurait pu le deviner en voyant son thème du petit Emmanuel. On peut dire, oh là là, s'il arrive à faire des études. Parce que voilà, on voit une intelligence, mais il y a le risque il y a un risque, quoi, au niveau de l'intellect. Mais le trigone Saturne-Mercure résolvant tout, on se dit, bon, finalement, il va être très renfermé sur lui-même dans un premier temps, mais faire beaucoup d'études, être un premier de la classe perpétuel. Et là, s'il ne reste pas dans cet esprit de premier de la classe, il peut très bien arriver à des hautes fonctions. Bah, il est arrivé de fonction, mais en restant dans l'esprit du premier de la classe, qui était l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Mais ça, une rétrogradation, c'est dur à travailler si on ne fait pas de psychothérapie. Donc, alors, il est maintenant. J'ai repris quelques thèmes que j'ai entendus. Je l'avais déjà dit aussi, d'autres l'ont dit, donc je reprends des termes. C'est quelqu'un qui est de l'extrême centre. À quoi on voit ça? D'abord, à l'opposition Lune-Uranus. Les extrémistes se reconnaissent à des aspects négatifs entre la Lune et Uranus. La Lune, c'est un peu ce qui existe, donc c'est un côté féminin qui prend les choses telles qu'elles sont, qui arrondit les angles, qui essaye de voir, bon, ben, on va faire une petite place pour tout le monde. Quand Uranus en scorpion, qui est en exaltation, opposé à la Lune, qui est en exaltation en taureau, on a deux planètes en exaltation. Alors, exaltation, il faut bien entendre le mot. Il est pratique en astrologie, il y a des mots qui veulent rien dire. Celui-là est assez pratique parce que exaltation, ça dit. Qui a un énervement, il y a une excitation, c'est quelqu'un qui est un excité, qui est quelqu'un qui va facilement dans les extrêmes, qui s'énerve, quoi. C'est quelqu'un qui s'énerve. Effectivement, il a démarré en trahissant Hollande. C'est la technique du couteau dans le dos qu'avait déjà fait Chirac, qu'avait fait Sarko, enfin, etc. C'est une coutume française. voilà, donc. Et puis il y a l'autre aspect qui joue sur la Lune aussi, ce qui fait qu'il n'est pas tranquille, et ce qui le rend extrémiste comme garçon, c'est qu'il a Jupiter rétrograde en Cancer. Alors ça pourrait paraître bien, mais c'est exactement opposé à son Soleil. Donc il a une opposition Soleil presque en Capricorne, avec Jupiter qui est rentré en Cancer.
et Vulcain, et au début du Capricorne. Si vous voulez, ça fait comme si on avait sur l'axe Cancer-Capricorne, le grand axe de la destinée du monde, si on veut, il a une charge qui va faire passer pour une ambition extrêmement forte, en tout cas, et il va faire passer ça de manière sympa, quoi, et populaire, quoi. D'où le fait qu'il peut être élu dans un pays démocratique. Mais ça, parce que Jupiter en Cancer, ça joue sur la possibilité de popularité. Mais c'est rétrograde, c'est-à-dire en fait, il fait semblant d'être populaire, mais il n'arrive pas à l'être. Il y a un côté, quand une planète est rétrograde, elle doit être travaillée en psychothérapie, sinon elle ne donne pas ce qu'elle prétend vouloir donner. Donc, quand on voit les promesses de 2017 et ce qu'il a fait, il a fait tout l'inverse. Donc, il est extrêmement sympathique. Il nous dit, je vais faire ça. Ah ouais, enfin un qui va résoudre le problème français qu'on a depuis longtemps. Alors, je ne vous les fais pas tous. Il suffit de reprendre son programme. C'est merveilleux parce qu'il les résout. Mais en fait, lui, il est juste content d'avoir réussi à plaire. Jupiter rétrograde, il prend Jupiter, non pas comme, ok, je brasse de la philosophie, je brasse des grandes idées, je brasse un... Un idéal, je vois loin, quoi. Voilà quelque chose de là. Et on dit, ah là là, bravo. Là, il va, c'est le nouveau De Gaulle, quoi. Il va, là, c'est l'appel 18 juin, quoi que ce soit. Et une fois qu'il a eu cet effet-là, ben, il est content, ça suffit, il n'a pas besoin de le faire, c'est déjà fait, quoi, puisque les gens y ont cru. Donc c'est quelque chose d'assez lamentable. C'est-à-dire, ça serait très bon pour un acteur, quoi. Et d'ailleurs, il a séduit sa prof de français. Il a commencé sa carrière comme ça, en séduisant sa prof de français par quelque chose, en faisant Rodrigue a du cœur, non, j'ai du pic, enfin voilà, du Corneille, du Racine, où il a fait vibrer sa prof qui s'est plus sentie sur sa chaise en écoutant le petit Emmanuel déclamer du Racine. Donc il est très capable de déclamer comme ça, très très bien, il est très doué en langage, et il sait avoir le répondant sur scène pour rebondir presque, ou pour faire des matchs d'impro, ce garçon, quoi. Il les fait d'ailleurs, avec le public, qui rencontre les mécontents. Il fait des matchs d'impro au salon de l'agriculture. Là, il a trouvé un bon au salon de l'agriculture avec les colos, il a trouvé un bon improvisateur en face de lui aussi. C'était pas mal. Bon, bref, c'est répété par la conjonction avec Jupiter Lune Noire en Gémeaux, c'est-à-dire il s'illusionne lui-même avec les mots qu'il prononce. Il se laisse, charmer lui-même par l'effet émotionnel que ces mots produisent. Lune Noire en Gémeaux. En mauvais aspect avec Jupiter, puisque c'est par-dessus la frontière Gémeaux-Cancer. Donc là, on a l'extrême centre. Alors en même temps, on commence à le dire maintenant, l'extrême centre, ça fait penser au hollandisme, quoi. Hein. Jupiter rétrograde en Cancer, ça fait penser un peu à Hollande aussi. Hein. Le côté mon ennemi, c'est la finance, avec ses petits bras, son petit côté rondouillard du petit bourgeois, là, qui dit oh là là. Ah oui, c'est vrai. Oh bon, voilà, on va le croire. Ouais, après, il a complètement oublié, mais c'est la même trahison, pas assez profonde, quoi. Pas dans les petits détails, parce qu'il faut bien être élu. On va passer tout sous silence, on va y aller comme ça. Du moment que je suis élu, c'est bon. Non, c'est sur des trucs fondamentaux, quoi. On va vraiment trahir en profondeur. Il avait un bon modèle avec Hollande. Donc, qui a fait couler toute la gauche, tellement il a trahi en profondeur les idéaux de la gauche. Autoritaire, Mars rétrograde en Lion, qui est au descendant, donc ça c'est ce qui va diriger, qui va projeter sur les autres. Mars en Lion, c'est quelqu'un qui, c'est Bonaparte, quoi. C'est le jeune loup dans l'ombre qui arrive, il va conquérir l'Europe. Il se prend pour Bonaparte. Ou alors, De Gaulle. Mais tout ça en négatif. Enfin, Bonaparte, il était négatif en lui-même, ça va. Mais son ambition était démesurée. Mais il s'est pris très souvent pour le nouveau De Gaulle, quoi. Je vous ai compris. Là, voilà. Et il va nous faire le coup, sûrement. En fait, si vous regardez Macron, vous apercevez qu'il a étudié tous les présidents de la République précédents, il les a tous étudiés, et il a intégré un petit morceau de chacun pour faire un kaléidoscope. Il est génial, quoi. C'est le Harlequin. Là, je vais être plutôt Sarko. Ah, là, je vais faire un petit coup de Pompidou. Là, il les a tous. Oh, c'est pas tellement Pompidou. Il y a beaucoup de Gaulle. Il y a Mitterrand, pas mal. Il y a Sarko. Il y a Pétain. Faut pas oublier. On le voit pas, mais il y a Pétain. Il y a tout ça. Et il fait des espèces de patchwork avec tout ça. Il sort ça. Mais ce qui compte au centre, c'est qu'il est autoritaire, quoi. C'est-à-dire, c'est Mars en Lion. Je veux avoir raison. Et j'aurai raison, vous verrez.
Donc, en fait, il est antidémocratique en profondeur, parce que Mars en Lion, c'est pas le signe. Alors, la France est spéciale, parce que la France, elle alterne souvent des présidents qui vont être plutôt du côté de la Vierge, et qui donc aménagent des trucs de manière un peu leur bureaucratie, sécurité sociale, voilà. C'est un pays où il y a beaucoup de protection, des organisations assez énormes au niveau bureaucratique, mais qui permettent d'avoir un mode de vie qui est régulé. Ah, cela ne gagne pas assez, on va mettre un pourcentage qu'on va dévier de cet endroit-là. C'est Colbert, quoi, hein, qui était le signe de la Vierge. La France a inventé le gouvernement colbertiste, quoi. Donc, et l'ENA, c'est ça aussi. Mais de temps en temps. Alors souvent les présidents ont été des gestionnaires comme ça de budget, mais de temps en temps il vient un militaire qui arrivait qui alors, des fois ça rate, mais voilà. Donc le dernier ça avait été Pétain, et là on a Macron, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour dire putain voilà, je suis l'homme fort et vous allez m'obéir et vous allez voir ça va vous plaire. Je vais vous taper dans les bons endroits. Vous allez voir ça. Donc là, ça c'est donc ce côté-là, c'est pour ça, c'est complètement opposé à ce qui était apparu à la fin de la guerre, c'est-à-dire le Conseil national de la résistance. Enfin, il se prend pour De Gaulle, mais sauf qu'il trahit le Conseil national de la résistance, il a créé un nouveau CNR, c'est pour mieux trahir ça, mais en tout cas, il est pétainiste, quoi. C'est quelqu'un qui veut mettre retrouver la France d'autrefois. En fait, il paraît jeune, mais il n'est pas jeune du tout. En fait, c'est un jeune du passé. On pourrait dire que c'est un jeune du passé dépassé. Il est dépassé par ce qui se passe en ce moment. Hein. Faut pas. Mais bon, il peut se rattraper vite fait. Faut savoir que. Alors, quelle est l'autre planète qui est rétrograde? C'est intéressant parce que Mars, Jupiter et Saturne, c'est les planètes qui caractérisent le politique. Jupiter, c'est le côté ouverture aux gens et qui va se mettre en représentation pour pouvoir être élu, et en même temps c'est celui qui protège, c'est celui qui amène protection, qui dit Mars, c'est celui qui agit, qui représente, qui décide, réellement aussi, qui représente réellement, ouais, c'est qui représente vraiment ce que les gens ont demandé. Mars, c'est celui qui commande, c'est le chef d'entreprise, celui qui et puis Saturne, c'est l'organisateur, celui qui pose des lois, voilà. Alors il veut tout ça à la fois à fond la caisse, seulement ces trois-là sont rétrogrades chez lui. Alors on passe à Saturne rétrograde, on a le troisième caractéristique qu'il a, il est donc extrême centriste, c'est-à-dire qu'il prétend nous protéger des extrêmes, mais en fait il est plus extrémiste que les deux autres presque, tout en les accusant évidemment, c'est sa technique. Si j'accuse à la fois Mélenchon ou Marine Le Pen d'un côté, du coup les gens vont être obligés de me choisir, moi qui suis au milieu. Mais il n'est pas au milieu, ça fait un triangle, quoi, parce que le fait même qu'il n'intègre aucune loi écologiste qui pourrait créer un accord pour tout le monde montre bien qu'il n'est pas du tout, c'est un néolibéral extrémiste, quoi. Et alors il est désorganisant et il organise en fait la dérégulation qui est connue dans le néolibéralisme. Il faut tout déréguler pour permettre au marché de remporter la mise. Voilà. Donc il invente. Mais c'est en vierge, donc il invente une technocratie de la dérégulation néolibérale. C'est-à-dire il essaye de faire ça, mais que ça ne se voie pas. Il bouge la sécu, il tripote les mains, pour en fait qu'on perde complètement les protections un peu spéciales de la France. Sarko voulait faire ça, puis il a été bloqué, Sarko, par la crise de 2008. Tous les pays sont écroulés. Attends, je finis ça. Tous les pays sont écroulés parce qu'ils avaient tout mis dans les banques, et puis les banques sont écroulées. Et la France a tenu le coup. Pourquoi? Parce que les Français avaient un système de protection et que Sarko voulait faire tomber pour ressembler aux Américains. Alors il a tout arrêté, il a ralenti le truc, il a dit il n'a pas fait. Mais Macron est arrivé, moi je vais le faire. Alors d'ici qu'on soit sauvé à nouveau par le gong d'une nouvelle crise économique, il est en train d'avoir. Oui, vas-y. Oui, c'était pour dire qu'il fait ça par moment, par petites touches, partout. Oui, par c'est exemple, ça. Par Technique exemple, Sarko. Par petites touches partout. Par exemple, au niveau de la législation du travail, il n'y a pas longtemps, il a décidé, alors je ne sais pas si c'est passé ou pas, il avait décidé de supprimer le fait de pouvoir avoir du chômage quand tu fais un abandon de poste. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'abandon de poste... Qui coince les gens complètement, d'ailleurs. Oui, non, mais l'abandon de poste te permet au moins, si tu es harcelé, si tu es dans une situation très difficile à ton boulot, quand tu abandonnes le poste, et après tu peux avoir du chômage. Ouais. T'as pas de, tu vas pas avoir de sous en plus, d'indemnité, mais au moins tu as du chômage. Mmh. Et il veut supprimer ça. Oui, mais ça se comprend, c'est pour coller au système américain. Donc, chacun se démerde, hein, ça voilà. On va pas protéger les gens, c'est oui, idiot, oui, puis protéger les gens, surtout... Ils se retrouvent à la rue, tant pis pour eux. Surtout, les gens, là, ça veut dire que ils sont assujettis encore plus à leur employeur. Oui, c'est ça.
Donc c'est un autoritarisme, on retrouve le Mars rétrograde en Lion. On retrouve l'autoritarisme. Renforcer le pouvoir du chef d'entreprise par rapport au... Voilà. Et c'est comme les 600 000 de radiation qu'il y a eu au chômage dernièrement. Oui, ça c'est pas mal aussi. Quand on voit qu'il y a... Sociologiquement parlant, bah oui, tu disais, il y avait une ou deux... Pour toi, pour elle, ça, je connais ton histoire, donc ça a correspondu à être radié au moment où elle trouvait un stage, et parce que le stage impliquerait que pour créer son entreprise et puisse avoir, une petite aide du gouvernement, la NPE donc la radie pour cause qu'elle n'utilise pas l'internet, alors qu'elle a prévenu qu'elle n'utilise pas l'internet dans ces trucs, puisqu'elle est de HS, donc elle n'utilise que le papier. Et il dit, ah, on vous radie parce que vous n'avez pas fait de recherche internet. Et il dit, mais évidemment, c'est la définition de HS, tu ne peux pas faire de recherche sur internet. Il a radie pour ça, au moment même où il est en train d'avoir un stage qui est valable pour son cursus, quoi, qui est très difficile à trouver pour un EHS, évident. Alors ça, c'est des exemples de trucs. Pourquoi on radie quelqu'un comme ça au moment, alors qu'il prouve justement qu'il est en train de chercher du boulot et qu'il vient de trouver en plus un stage et que ce stage est valable avec son projet, hop, on le radie. Donc ça, c'est évidemment, c'est l'exemple en face, donc je peux témoigner, mais c'est partout comme ça. Hein. Ils ont pas diminué le nombre de chômeurs, ils ont diminué le nombre d'inscrits au chômage pour ils ont radié à tour de bras pour faire croire qu'il y avait une baisse du chômage, ce n'est pas du tout le cas. Alors, ce Saturne dans son thème, si on regarde bien, il est opposé à Orcus, ce qui indique qu'il y a une négativité du rapport à l'autre qui est extrêmement grande chez lui. Hein. C'est presque une dominante du thème. Il y a deux dominantes du thème, Proserpine au fond du ciel, qui semble rentrer en taureau à reculons, et puis Orcus, qui est fin cancer, qui montre une forme de négativité et qui est dominante. Hein. Alors, tous les gens de son génération ont Orcus à cet endroit-là, mais ce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui le rende fort, et là, il y a quelque chose qui le rend fort, c'est ça. Donc cette négativité peut le rendre extrêmement critique ou cynique ou négatif dans son rapport à autrui, puisque c'est au descendant. Quand j'avais vu qu'il était ministre encore à l'époque de... J'avais vu dans l'Assemblée ministre de Hollande, il y a longtemps, j'avais vu son sourire carnassier là. Il a le physique un peu de... Loki. Loki, voilà, c'est ça, le dieu de la, le dieu mercurien de la mythologie scandinave, qui est vu comme un mercure négatif. Je ne sais pas si les Scandinaves n'aiment pas beaucoup le mental. Ouais, c'est le grand trompeur, le grand menteur. Et il aime faire le mal en trompant. Ouais, voilà, il est cynique et il aime faire le mal en trompant. Et donc ça, quand j'avais vu le Macron en train de ricaner avec son copain, je sais pas Blanquer, comment il s'appelle, c'est Colère, Alexis Colère, là, dans l'Assemblée, ils étaient en train de ricaner sur ce qui se passait. Parce que ça arrangeait leur coup pour plus tard, parce qu'il mais avait déjà l'ambition. Mais il n'était pas à l'Assemblée à ce moment-là. Non, à un moment donné, c'était une prise de vue générale. Il était là où ils n'étaient pas. Lui non plus, il n'était pas à l'Assemblée. Ah d'accord. Enfin, il était dedans, il était en l'image, quoi, mais il n'était pas député. Donc, il n'a jamais été député, d'ailleurs. C'est un tort, mais bon, comme ça. Donc, mais je ne sais pas si c'était Alexis Colère, je ne suis pas sûr. C'était un de ses meilleurs copains, quoi, de sa bande. Quoi. Bref, il était en train de faire son plan, ça arrangeait. Et il avait un sourire carrément carnassier, quoi. C'était très bizarre. Il avait un sourire extrêmement. Une satisfaction d'un cynisme et d'une agressivité incroyable. Et je me dis, tiens, il ressemble à Reinhard Heydrich. Reinhard Heydrich, qui est l'inventeur de la solution finale dans le nazisme. C'est-à-dire qu'il y a eu Himmler qui l'a appliqué, et Hitler aussi était l'inventeur, bien sûr. Mais celui qui a rendu la chose très scientifique et très efficace en 1942, c'était Reinhard Heydrich. Et il a une ressemblance frappante avec Macron, c'est bizarre. Il ressemble aussi à Loki, quoi. C'est-à-dire c'est un esprit négatif, quoi, qui incarne comment l'intelligence la plus haute peut se mettre au service de quelque chose qui est tordu. Quoi. Bon, c'est quand même pas la solution finale que Macron est venu faire, mais enfin, ça va se demander. Il est en train de faire la solution finale avec tout ce qui est de gauche, tout en prétendant que c'est un peu de gauche. Alors, ça, on voit ça avec le Mercure qui est sur un degré négatif. Hein. Le 30e degré, c'est un degré négatif, il est rétrograde, donc il y a un côté, je dois revoir ma manière de penser, quoi. Je me crois supérieur et c'est... Alors, ce qu'il prétend faire, et le milieu du ciel en scorpion, va avec, hein, c'est-à-dire que il ne peut pas forcément, il va pas amener du bien à son pays, ce garçon, avec son milieu du ciel, bien qu'il pense le faire. Donc, ce qu'il veut amener, j'ai entendu ce mot-là aujourd'hui, alors je suis content, je le ressors, c'est la pistocratie. J'espère que je ne me trompe pas sur le mot, la pistocratie, c'est-à-dire le pouvoir des sachants, ceux qui savent. Lui, c'est ce qu'il se croit savoir, Macron, donc il est très fier de ça.
Et le pouvoir des sachants, c'est l'une des grandes lignes possibles de l'ère du Verseau. C'est-à-dire qu'il est possible, avec le GIEC, on voit ça, c'est le GIEC qui est en train de déclencher une prise de conscience politique sur le monde entier, et pourtant, c'est qu'une assemblée scientifique, ils n'ont qu'un pouvoir politique. Donc ça, c'est quelque chose qui va monter de plus en plus pendant l'ère du Verseau. Et donc, dans les temps qui viennent, ça va monter, espérons-le. Mais lui, il n'avait pas le pouvoir des sachants. Parce que lui, non, c'est un raté énorme, puisqu'en fait, il prend le peuple en otage, pendant l'expérience Covid, il prend le peuple en otage, avec des lois scientifiques qui lui sont inspirées par qui? Par Kinsey et par Pfizer, dont on n'a pas de preuves scientifiques, puisque le troisième, enfin on connaît l'histoire, le troisième vérification n'était pas faite, fallait soi-disant faire vite, donc y a un problème de... Voilà, c'est plutôt de la plutocratie que de la pistocratie chez lui. Donc voilà. Le confinement aussi, je ne reviens pas dessus, qui était plutôt voulu par l'ordre des médecins, mais l'ordre des médecins est vu comme des sachants, mais l'ordre des médecins, c'est pas un ordre des sachants, c'est un ordre facho, installé pendant le pétainisme, qui est la seule chose qui a échappé à l'élimination par le Conseil national de résistance de toutes les structures installées qui étaient pro-fasciste, quoi, pro-nazi, et l'ordre des médecins a échappé, on ne sait pas trop pourquoi. Donc on a une date de naissance de l'ordre des médecins qui est la date de naissance d'une organisation fasciste. En plein création en 1941 des lois en accord avec l'Allemagne nazie. Donc c'est pas alors et le confinement a été décidé par des gens tous issus de l'ordre des médecins. Donc on fait un conseil de scientifiques. On croit que c'est un conseil de scientifiques. Non, c'est un conseil de l'ordre des médecins. Rien à voir avec les vrais scientifiques. Les vrais scientifiques, bon, vous avez entendu, il y a eu Raoult, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu Dominique. Je ne me rappelle jamais son nom. Dominique. Bon, ça fait rien. Celui qui est chef de recherche sur les NRS là. Qui est Fouché? Ah non, ça c'est Fouché. Le Fouché, il n'a pas un rôle dans la recherche épidémiologique très très haut. Il a animé beaucoup d'ateliers de prise de parole pour réinformer contre l'histoire de vaccination du Covid. Quoi. Ouais. Donc voilà. Alors, voilà, je voulais voir aussi un petit peu où il en est, parce que c'est important de dire où il en est. Ça y est, j'ai perdu le thème de Macron, il est où? Il est là. Parce qu'il est rendu à un point de son histoire qui est important, ce cher Macron. Alors, ils ont souligné, c'est pas ça que je veux voir. Voilà, pour le 21 décembre 2022, c'est ça. Au moment où il arrive, en ce moment, donc, ça c'est calculé pour vraiment la date du 21 décembre, c'est-à-dire presque pour son anniversaire. On regarde les directions secondaires, on voit qu'il va un peu vers des ennuis, si on veut, parce qu'il a la Lune conjoint Cérès, qui est exactement dans l'entrée du Capricorne, c'est-à-dire conjoint à son Vulcain, donc ça veut dire qu'il va turbiner à fond la caisse, qu'il va avoir plein de bonnes idées, mais c'est en contradiction avec sa manière de penser. C'est-à-dire qu'il va penser des choses qui vont être en désaccord avec ce que le peuple pense quelque part. Donc ça, c'est un premier aspect intéressant à voir. Mercure, on ne voit rien là-dessus. En fait, je ne sais pas pourquoi c'est cette couleur. Moi, c'est une couleur plus rose clair. C'est devenu très très foncé, on n'arrive plus à lire. Oui, c'est ça. Mercure en progression arrive sur le degré critique du Capricorne, là où est son ascendant à peu près. Ce qui veut dire que, à la fois, la proximité à son ascendant fait qu'il va exprimer le plus réellement possible comment il pense, mais du coup, ça va commencer à se voir que ce qu'il pense est pervers ou cynique, et pas du tout en accord avec ce qu'il a prétendu être au devant du peuple. Voilà. Donc ça c'est un deuxième aspect, ce qui fait qu'il est très fort en ce moment, il est renforcé par son intelligence est renforcée, cette intelligence turbine à fond, mais dans des endroits qui le mettent lui-même en danger. Et plus il trouve des solutions, toutes les bonnes idées qu'il a trouvées pour faire passer des lois, pour que ça passe social, que ça fasse social dans l'idée des retraites, à chaque fois, ils ont été démontés par des analyses venant de journalistes ou populaires. Donc c'est comme si la chance tournait pour lui. C'est-à-dire que ses habiletés sont vues. Ses tromperies sont vues. Loki est vu en train de... La main dans le sac en train de truquer, quoi. Donc ça, je voulais dire, c'est assez important. Le reste, on va aller vite, on va passer. Et la lune noire qui est en train de passer sur son Jupiter natal, qui représente la popularité pour un homme politique nécessaire dans un pays démocratique. Et ça l'emmerde beaucoup que la France soit démocratique, il préférait qu'elle ne le soit pas, parce que on a une inversion Jupiter-lune noire. La lune noire est sur son Jupiter natal, et la Jupiter est rétrograde et est arrivée sur sa lune noire natale. Donc là,
on sait que pour quelqu'un qui n'a pas forcément fait une thérapie pour soigner son ambition maladive, sa maladie de base qui est un pervers narcissique, hein, Macron. C'est-à-dire un dominateur qui est entièrement centré sur lui-même, qui ne voit pas les autres et qui veut les dominer sans cesse en les manipulant. Donc si tu veux, il fait ça avec tout le peuple français. Donc là, la lune noire étant ce qui est caché, langage du corps, langage des attitudes, langage des sourires carnassiers, dont j'ai déjà parlé, mais il est en plein dans ce passage un peu où ça commence à se voir vraiment. Et Mars lui arrive, est-ce qu'il est arrivé dessus? Ah oui, il est exactement dessus. Et Mars rétrograde en rétrogradant, qui était dans sa maison 7, arrive tellement bas dans sa maison 7 qu'il est en train de passer en cancer sur son descendant et sur Orcus. Donc ça veut dire, voilà, les ennuis arrivent. Mercure marche, je vais m'énerver, je vais être assez agressif, je vais m'énerver. Je vais tellement m'énerver que je ne sais pas ce que je vais devenir, mais ça c'est pas bon pour ma santé. Et le descendant, c'est le rapport que tu as avec autrui, avec tes collègues, avec tes... Eh bien, Mars étant... Là, je suis sur le thème de direction secondaire. T'as vu. Mars étant au descendant, donc rétrograde, voilà, on va avoir de très très bonnes raisons de s'énerver. On va s'énerver beaucoup. Voilà. Il y a comme s'il y avait un rapport à autrui qui est forcément très 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 agressif. Alors bon, c'est lui le chef a raison, même quand le chef a tort, le chef a encore raison. Mais ce carré à Bacchus Chiron qui est en taureau en bas fait que son désir de pouvoir va apparaître tellement voyant, quoi, criant, c'est le cas de dire, que ça va pas plaire. Il va faire apparaître une opposition très très forte, quoi, même dans son propre rang, quoi. Et c'est maintenant que ça commence, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Alors, pour psychanalytiquement, psychologiquement, pour lui, c'est très très bon, hein, parce qu'il va commencer à voir qu'il a besoin d'une bonne thérapie plutôt que de se mettre au sommet du pouvoir. Il faut résoudre d'abord ses problèmes avant de résoudre ceux de tous les autres. Mais bon, comme il est HPI, il a pas compris ça, il a cru que par son intellect, il pouvait résoudre des problèmes. Or, on résout pas par l'intellect, on résout souvent par le corps, par la parole, par l'émotion. Et là, il veut pas savoir ça, donc là, il va le payer un peu cher, quoi. Ou alors, c'est le peuple français qui va le payer, parce que Mars rétrograde aux descendants, c'est-à-dire j'envoie les flics, ça veut dire, contre le peuple qui est méchant. Voilà, bon, ça suffit, n'en jetons plus, la cour est pleine, comme on dit, le reste, c'est des détails. Alors, si on regarde maintenant où on en est par rapport à ça, puisqu'on est au printemps, il faut rajouter 3 degrés à la Lune pour la faire avancer, on peut voir qu'en gros, dans 10 mois par rapport à ça, c'est-à-dire au mois de septembre-octobre, la rentrée, quoi, il va y avoir une évidence de ce que le peuple veut, quoi. Et ça, il sera obligé d'en tenir compte, ça c'est sûr et certain. Donc on retrouve une résolution de crise peut-être de son côté aussi, qui se situe plutôt à la fin de, enfin plutôt du côté de l'automne, quoi. Mais les grands événements sont pas en automne, si on a bien compris, ils sont maintenant. On les a vus, ils ont déjà eu lieu. Ils avaient déjà été annoncés pendant que j'avais annoncé 2023 en gros, et ils sont maintenant avec la résolution de cette histoire des retraites et du nucléaire, dont je n'ai pas trop parlé, qui est très important à parler, c'est-à-dire de faire passer de l'armée, donc la grande muette, donc le grand secret sur l'histoire du nucléaire. Pour l'instant, c'est pas passé. Hein. C'est pas passé, donc c'est, mais ça, c'est, non, mais attends, il renonce jamais. Hein. Il va donner une forme différente, mais le but, non, mais quand tu vois l'article du canard, c'est pas passé, d'accord. Mais les gens qu'il a mis en place sur tous les postes clés sont tous des gens qui sont en relation avec l'armée. Donc le contrôle va être fait en secret. Alors c'est ce qui est préférable d'ailleurs pour lui, parce que sinon les gens vont gueuler. Donc il ne veut pas que les gens gueulent, donc ça va être fait, même si ce n'est pas passé. Mais ça, le fait qu'il va faire des trucs sans que ça soit passé au Parlement, il va continuer, il l'a toujours fait. Mais il y a quelque chose maintenant qui grince très très fort dans tout le pays, quoi. Pas simplement les mélenchonistes qui sont accusés de foutre le bordel, alors qu'ils foutent le bordel dans un plan, mais qui est machiavélique, qui est complètement, qui est du cynisme total depuis du foutage de gueule depuis 5 ans. Là. Et là, on va moins pouvoir accuser le Mélenchon d'être un fouteur de merde, parce que la stratégie qu'il a fait, elle a payé finalement, le blocage, elle a payé, et on a vu, pendant qu'il foutait la merde, que ça a créé un débat.
et que quelque part, le vrai débat, il ne pouvait pas avoir lieu, en fait, puisqu'il le faussait. Et là, on a vu que ce n'était pas Mélenchon qui faussait les... Voilà. Oui, c'est pas Mélenchon qui sent mauvais. Hein. Ouais, c'est pas Mélenchon qui sent la merde. Ouais, c'est ça, ce n'était pas lui. Bien que ce soit les deux extrêmes, les extrémistes, on a vu que lui, il était extrémiste du centre. Et ça, du coup, tout son plan de carrière, qu'il est là, le grand équilibre du Jupiter, la justice entre les deux extrêmes, ben non, ça tombe puisque c'est lui l'extrémiste et il énerve tout le monde.